Et merde. Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dead Rising. En fait, je suis con, faut juste sélectionner les rênes et lui donner. Donc je suis juste très con. C'est pas grave. Ça arrive à tous. Surtout à moi. Mais j'en ai d'autres, connasse, prends-les! Ouais, j'ai pris trop de rain, c'est bien ce que je pensais. Pouvez pas toutes les prendre d'un coup, please. Biatch. Un vaccin! Parfait! Comme ça, tu vendras à tous les hôpitaux dans le monde et ils le feront payer un prix de fou et comme ça, ils se feront des putains de couilles en or. Parce que oui, n'oublions pas qu'on parle d'une industrie pharmaceutique. Pas d'une charité pharmaceutique. Ils sont là pour le fric, pas pour que vous allez bien. D'ailleurs, si un jour les pharmacies et tout le bordel trouvent un moyen de donner la vie éternelle, ils vous le vendront jamais. Sauf s'ils sont sûrs que, en plus d'avoir la vie éternelle, tu peux tomber malade. Check me with that, huh? Okay, Doc. Let's get this over with. Mais attends, mais du coup, elle parle jamais du générateur dans la version PC? Est-ce que c'est parce que je suis allé super vite ou il y a un truc qui déconne? At least I won't have to worry about turning into one of them for a while. Okay. Next on the agenda. Figure out a way to get the hell out of here. While I was isolating the hormone, I managed to En fait, les yeux identify a verts, pheromone table. that suppresses the attack instinct in adult parasites. Ouais. In other words, the zombies don't like the way it smells. If you give me a little more time, I should be able to produce some of this pheromone. Parfait. They think it smells bad. Tes yeux bleus ou violets en You fait? think we could use something like that to keep them away from us? Dans ce cas-là, j'ai une zone de sortie. In theory, yes. En pratique. Either way, it's certainly better than nothing. There was a cave outside where the helicopter crashed. It was packed with zombies. I mean, shoulder to shoulder. May lead somewhere outside. If it works, your anti-zombie perfume, it could keep us safe in that cave. What do you say? You ready to get the hell out of here? On va bientôt finir le jeu, ma gueule! C'est triste en fait parce que j'aime bien Dead Rising. Ok. Whatever you say. Est-ce qu'il est là? Non, mais pas tout de suite. Non. Mais j'ai pas d'armes. Ça fait combien de temps que j'ai sauvegardé? Isabella, look. Any other way out of here is guarded by the military. If we're gonna get out of here and put a stop to Carlito's plan, we've got to go in there. It's the only way. It's not like we're Mais alone. We got your smelly perfume, don't we? On a ton parfum qui pue, non? I wouldn't be Dit-il à une femme. alive The perfume's gonna work too. I know it. Au pire, vous pouvez faire un petit pssst sur quelqu'un, puis regarder si ça marche.
Un des zombies, genre il va. La 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 la! Hein? Vrai marché! Non mais pas let's go en fait, pas tout de suite, merde! Mon cheval il est sérieux. Ok, on peut sauvegarder. Alors. Non, je veux changer d'emplacement. On va sauvegarder ici. Ah putain, c'est écrit sauvegarde. Sauvegarder. C'est beau ça. Tiens-moi la main, Isabella. C'est pas du tout ce que je voulais faire, Isabella. Bon, fuck it. Tiens-moi la main, Isabella. Non mais tiens-moi la main, pétasse. Tiens-moi la main. La main. Merci. Tiens, la main. Tiens. Isabella, tu me fais chier. Bon, tu tombes, toi? Merci. Putain, Isabella! Et recule pas, pétasse! On doit avancer. Il est renversant ce parfum. Et le rendering ranger. Tu veux bien me donner la main? Merci. Voilà. Hey, fonce. Oui, tiens-moi la main. Putain, tu fais chier. Ah, il fait chier. Tiens-moi la main. Merci. Mais putain, mais lâche pas! Pauvre truie, va. Non, pas la bite, madame. Mais t'as fini de me lâcher la main? Putain, mais... Bordel. Tiens-moi la main. T'en pas compliqué. Mais arrête de me lâcher la main. On n'a pas besoin que tu les pousses, elle les repousse de toute façon. Putain, elle est incroyablement chiante. Mais t'es chiante là. Sérieusement. Mais arrête ça. Mais les connes. Tiens-moi la main. Putain. Pauvre tarde!
Je te jure, si tu me relâches la main... Voilà, merci. Ça va être très chaud, j'ai juste une arme avec 70 balles dedans pour la fin du jeu. Non, pas vraiment. Ah, vas-y. Alright, hang on tight, okay? Once we're out, let's see if we can't steal ourselves that set of wheels. Ah bah, pourquoi j'ai pas pu faire ça depuis le départ? Right. On sauvegarde. Voulez-vous remplacer les données de sauvegarde? Changer emplacement. Je prends celui-là pour être sûr. Par accepté. Voilà. Portez. Pour moi, ça marche sans problème, ça. Pourquoi tu l'as lâché? Là. Ça fait beaucoup de zombies assez rapidement, ça. Parfait. Attends, je suis contre le tank? D'accord, c'est bon. Heureusement que ce tank a des points faibles, obvious. Pour l'instant, tout va bien. Bon, il est super simple ce boss en fait. Je pense qu'il devait être dur sur console parce que ça devait être chiant de viser à la manette. Mais sur PC, c'est putain de simple. Hein. Alors, mis à part le fait que l'angle est un peu bloqué en fait. Tu peux pas viser à l'angle que tu veux. Ça fait beaucoup de drones, ça. Genre plus que l'armée américaine peut s'en payer, je pense. En tout cas pour ça. Parfait.
Ah mais de toute façon, contre le boss final, t'es à main nue. Je viens de me rappeler. These automated machines are no use at all on the battlefield. Switch to manual control. Ce mec est un taré. Oh oui, le slow-mo à 15 FPS. Continue comme ça le jeu, tu es bien. Alors ça c'est le boss final, hein. Vous l'avez pas encore compris. Putain, elles sont tellement belles mes chaussures. Une tête de cheval. Where were you hiding when my men mopped up the mall? Bah, je l'ai massacré, hein. On a mission in which the number of targets is unclear. It's difficult to ensure absolute thoroughness. Cool. Où tu veux en venir? You have imagination. That's what drives you in your quest to run. Ah, c'est surtout le fait que j'ai une tête de cheval, hein. Oui, je me cache très très bien avec ça. You and your kind are much more stubborn than the zombies. How much do you know about the zombies? I command the Santa Cabeza cleanup operation. C'est tout? If we had fulfilled our mission then, we wouldn't be needed here now to take care of this incident. C'est vrai qu'en soi, il a pas tort, hein. S'il avait pu tuer Carlito à l'époque, ça aurait été bon. What about those innocent people who had to pay for sins committed by our government and its inhuman research? Our mistakes have not begun with this operation. Humanity. Proven itself to be quite adept at making mistakes. Tu peux l'allumer ton cigare, tu sais. The only thing we truly excel at. Well then, I'd say this mission isn't quite over yet. Don't you agree? Qu'est-ce qui se passe? 15 FPS, plein de zombies. Dans ta gueule, les 15 FPS, bam. Je vais te péter ta face. Où est mon arme? J'en ai pas. Voilà où elle est. Trou du cul, putain, mais aïe! Et comment je te fight? Oh putain, ce coup! En fait, grâce à ce coup, je lui ai foutu tellement de dégâts. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Ah, mais lâche-moi, putain! Mais putain, je veux juste monter sur ce tank. Mais lâchez-moi! Putain! Mais... Tu vas monter sur ce putain de tank, merci!
Lâche-moi, bordel! Il va me tuer, bordel! Bon, je suis mort, je suis tellement mort. Je suis tellement dead. Oh, je l'ai eu! Yes! Un point de vie! J'ai gagné! On a fini Dead Rising, premier du nom. Dans la vraie fin. Il y a un putain de point de vie quand même. J'ai réussi. Bah t'as un tank, hein, go. Kiss le tank, mon grand. Produit par Keiji Inafune. On a réussi à finir Dead Rising dans la vraie fin. Yeah. J'ai même pas fait gaffe à dire que ce serait la dernière vidéo parce qu'en fait je m'attendais pas à ce que ce soit la dernière vidéo. Alors, voyons si dans le générique, il y a ceux qui ont fait le port sur le PC. Ou qui s'est occupé du port PC. Putain, en tout cas, le générique, il a pas le temps, hein. C'est ceux qui ont fait la localisation. Assurance qualité. Just Cause Production, quoi? Non, c'est pas eux. Voice over, non, on s'en fout. Caca. C'était écrit caca. Direct 3D, non. Prochaine capture. Bon, en fait, si ça se trouve, ils sont tous à la fin, ceux qui ont fait le port du jeu sur PC. Attends, mais le générique est quasiment fini, là. Ils ont déjà cité Avoc, qui était un moteur physique très beauf. Utilisé sous verre dans Dark Souls. Marketing, non. Caca, ok. Bah, bon, moi je sais pas qui a fait le port sur PC. Vous êtes Capcom eux-mêmes. Directeur Yoshinori Kawano. Ah, 2016. Producteur.
Europe, voyons voir, marketing, directeur, manager. Mais en fait, c'est qui? Ah, c'est Locke, Q-Lock, SA, qui a fait le port sur PC, d'accord. Jamais entendu parler de Q-Lock. Ils ont fait quoi d'autre, ces mecs? Ah, c'est peut-être eux qui ont porté Dragon's Dogma aussi. Ça se trouve. Parce qu'en soi, ce port PC, à part la carte, qui en soi, on s'en fout. Parce que vous avez vu à quel point j'ai vraiment eu besoin de la carte pendant tout le jeu. C'est-à-dire pas du tout. En fait, à part la carte, le port est génial. Hein. Combinaison de Megaman ajoutée à celle de sécurité. Ok. Botte de catcher. Mais t'es en train de me redire exactement ce que tu m'as dit avant. À part pour le mode infini qui est débloqué. Franco s'est débrouillé pour sortir de Willamette avec des informations précises concernant toute l'affaire. Ces informations firent sensation à l'échelle mondiale et forcèrent les États-Unis à reconnaître une responsabilité partielle dans les conséquences de leurs travaux de recherche. Toutefois, aucune corrélation avec l'incident de Willamette ne fut établie. Les événements locaux furent mis sur le compte d'une organisation terroriste. Les peuples du monde, comme on est en droit de l'attendre, oublièrent rapidement l'incident de Willamette. En fait, le reste ne servait à rien. La réalité des intentions de Carlito concernant les orphelins n'a pas encore pu être démontrée ou invalidée pour le moment. Va falloir attendre des Rising 3 pour ça. Et il se plaignait encore que son estomac était vide. Hein? Hein? Quoi? Et voilà. Nous avons fini The Rising, premier du nom. Je vous dis à tous, merci beaucoup d'avoir suivi cette série de vidéos. Et pour ceux qui ont suivi le live, merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre des likes et de partager. Et à une prochaine pour peut-être Dead Rising 2. Et ensuite le 3. Ça pourrait être fun. Allez. Bye bye. Come on, get it up. Get it up. Get it up.